On a vu précédemment comment faire tracer un graphique d'un objet dans notre scène d'Algodoo. Ici, j'ai un bolide dans lequel j'ai mis un moteur avec une différente force, donc une force de propulseur de 10 newtons dans mon cas ici. Si je demande, par exemple, de tracer de mon bolide le graphique de la vitesse en fonction du temps, si j'appuie sur l'activation de la scène, j'aurai mon graphique. Et si je veux, par exemple, donc je peux faire retour, et si je veux maintenant augmenter ma force, donc je vais dans mon propulseur et je double ma force, par exemple, donc 20 newtons, je n'ai pas changé ma masse, et si j'y vais, donc j'aurai visuellement l'effet du double, doublement de ma force sur mon bolide de masse constante. Donc je peux faire mes expériences comme ça, je peux avoir différents tracé de fait, ce qui peut accélérer grandement l'analyse de ces différents types d'expériences-là en physique.